Bonjour les amis, alors vous m'avez pas vu beaucoup ces derniers temps pour une raison très simple. C'est j'étais très occupé. Alors, première chose, nous avons fait une nouvelle publication avec notre ami et partenaire Eric Berg. Publication que je vais vous traduire en français et que je vous mettrai en ligne. Deuxième nouvelle, le 27, conférence, enfin un live avec le professeur Perron. Autre nouvelle, celle-ci me concerne directement, le 27 aussi, j'ai enfin ma prise de sang. Alors oui, j'espère avoir de bons résultats. Alors revenons d'abord au professeur Perron qui a la gentillesse d'accepter de faire une vidéo avec moi. Alors nous allons parler de nombreux sujets, de sujets polémiques, de sujets qui ont fait des problèmes à beaucoup. Et merci professeur Perron d'accepter mon invitation. Autre chose, je vous ai parlé de ma diète qui a changé. Alors elle a changé comment ? Elle a changé parce que j'ai pris beaucoup plus de protéines. Je ne mange plus que deux fois ou une fois par jour, 9 heures du matin après avoir fait un peu de sport et vers 1 heure pour terminer ce que j'aurais pas fini. Voilà, et après autophagie jusqu'à 9 heures le lendemain matin. Alors oui, ça semble marcher, j'ai l'impression d'être plus alerte, que mes muscles fonctionnent mieux. Plus de protéines, je vous l'ai dit. Alors, protéines qui viennent d'où ? Qui viennent de poissons, petits poissons oméga-3 et de viande, oui, de viande, les amis, mais uniquement nourrie à l'herbe, finie à l'herbe. Et beaucoup plus rapide et beaucoup moins souvent que de poissons. Un peu de poulet aussi et bien sûr précédé de mes fibres de manière à ne pas avoir de hausse de glycémie. Ça fonctionne et je continue tout doucement et de cette manière je vais continuer à perdre un peu de poids. Le régime, ça ne marche pas. Voilà les amis, alors vous savez tout, j'ai beaucoup de travail déjà pour traduire en français la dernière publication qu'a rendu plus accessible Eric Berg pour une compréhension, une meilleure compréhension des gens qui ne sont pas des scientifiques. Merci les amis, très très bonne journée. Au revoir.